Bonjour les gens, avec toute l'équipe Poussin Gangmaster. On se retrouve encore une fois dans Space Engineer dans la mise à jour 1.8 qui est sortie il y a quelques jours maintenant. Donc la nouvelle fonctionnalité de cette mise à jour, c'est tout simplement qu'il a implanté enfin un objet pour pouvoir détruire les astéroïdes. Donc ça s'appelle la drille, donc la foreuse si vous préférez. Alors je vais vous montrer ça tout de suite. Alors déjà on va se replacer un petit peu plus correctement, tac tac. Et on va remettre. Voilà. Donc la drill. Donc j'ai toujours le problème de framework. Je sais pas pourquoi. Alors je pense que c'est parce que j'ai dû explorer beaucoup trop de d'univers. Comme vous voyez, je pense que c'est ce vaisseau là-bas qui bug, qui a plus de 120 000 km. Donc il va falloir que je recommence une partie parce que là ça commence vraiment à devenir de pire en pire. Alors, je vais juste vous montrer la drill. Donc on va dégager ça. Tac tac tac. Voilà. Voilà ce que c'est que la foreuse. Donc il y a la foreuse pour les vaisseaux, évidemment la foreuse pour aussi votre personnage qui permet tout pareil, exactement pareil de forer. Donc on va vous montrer ça. Et j'ai aussi découvert mon ancienne base qui est à plus de 6 000 km. Donc on va aller voir là-bas. Alors j'ai un vaisseau qui avance vite. Il ne devrait pas y avoir trop de soucis. Et je m'approche d'astéroïdes, donc ça pourrait... On pourra pouvoir l'utiliser ici. Donc déjà on la sélectionne, donc là elle est en touche 3. Je vais la sélectionner et regardez. Et voilà. Et magnifique. Et c'est mon ancienne base. Et en même temps, j'ai aussi mon ancien tunnel, comme vous voyez, qui est en train de se dessiner petit à petit. On va essayer déjà de creuser du coup. On va prendre lequel astéroïde? On va prendre le gros là. Hop, on y arrive. Ah, évidemment, il faut pas arriver trop vite. Parce que sinon la drill se fait exploser. Hein, comme normal, hein. On va y aller de mollo. On va l'actionner maintenant parce que je vois qu'il y a des petits astéroïdes sur le passage. Comme j'ai un vaisseau assez rapide. Allez. Ah bah ça. Comme vous pouvez voir, c'est en train de casser le rocher. Ah oui, les petits bouts que vous voyez voler, évidemment, ça se ramasse. Regardez. Ah, bien là, voilà. Ça se ramasse et ça se met dans votre inventaire. Alors, votre inventaire qui est la touche K, voilà. Donc de la pierre. Donc il a commencé à implanter tout ça. J'espère qu'il va continuer dans ces mises à jour qui est vraiment 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 super. Ah oui, maintenant c'est vrai aussi, on a ça aussi. Un nouveau système de création en fait. Qui vous permet de voir où est-ce que vous en êtes en fait au niveau de la... Regardez, si je la fais tourner, donc si je fais delete page, vous voyez ça tourne. En fait c'est juste pour voir l'emplacement de la structure en fait. Par exemple, tac. Vous voyez, ça change la structure là-haut là. C'est un petit peu plus simple pour se repérer dans l'espace, pour ceux qui avaient du mal un petit peu comme moi. Bon, on va reprendre ça, tac, on va continuer à creuser. Alors c'est pas encore très rapide à creuser. Je pense que... Après... Ah bah tiens, je l'ai cassé, en allant un petit peu trop vite, vous avez vu. Oula, ça c'est un gros. Ouf! Et ça c'est plein de petits, non? Ah, c'est ça, plein de petites pierres. Par contre, ce qui est un peu nul, c'est qu'il faut à chaque fois. Ah là-bas, il y a de l'or, on va aller voir si ça fonctionne sur l'or. Alors, je suppose on peut peut-être en mettre plusieurs. Si j'en mets une là. Bah, c'est lui, j'ai vu qu'il en avait deux sur son vaisseau. Donc, je pense qu'on peut en mettre plusieurs sur le vaisseau.
de façon à ce que les rotations soient un peu plus simples en fait. Parce que là, avec une, vous avez vu, c'est un peu plus dur à creuser. Ah, attendez, j'ai dit qu'on allait voir le polar là-bas. Évidemment, c'est pas un vaisseau pour la récolte tant que j'ai fait, c'est un vaisseau de déplacement. Comme vous avez vu, il avance super vite. Si on peut choper l'or. Un peu trop vite. Oh. Ça s'appelle de la manœuvre. Hop. Alors, je crois que c'était là l'or. Ouais, c'est ça. Alors, je suis pas vraiment sûr. A priori, ici. Est-ce que si je la ramasse, elle est validée celle-là? A priori, oui. Ah oui, gold. Ah, par contre, j'espère qu'elle va faire un système pour choper un plus de trucs, parce que là. C'est à chaque fois de se débarrer, de se dégager dans l'espace pour ramasser en plus, c'est vraiment pas facile à ramasser. Parce que du coup, ça bouge dans tous les sens. Alors j'espère qu'il va mettre un aimant ou alors. Ou alors c'est simple, il faut placer des choses comme ça. Placer deux et je vais placer deux ça. On va placer trois. Et on va retourner en ma caractère comme ça. Ici je me rapproche. Ça je peux pas, évidemment. Et ça j'ai dû les mettre à l'envers. Évidemment. Si je la fais tourner là, alors ça tout de suite. Si je me souviens qu'en s'approchant à l'époque, on pouvait l'ouvrir avec un panel. C'est peut-être pas cela. Hein. On va voir, on va essayer. On va essayer, on va essayer. Hop. On va dégrossir. Oh. Ah bah voilà. Si si si. Elle récupère. Regardez. Ça récupère quand même. Donc il y en a bien qui se déplacent dans l'espace. Ah, c'est ça. Il y en a qui se déplacent dans l'espace. D'accord. Oula. Ok, très bien, ok. Donc il y en a bien qui se déplace dans l'espace et après est-ce que je peux... C'est quoi ça? Ça c'est sur moi. D'accord, super station.
Donc vous voyez, ça ramasse bien, on va voir, 650 et 133. Ah c'est ça, ça ramasse. Et après tout ce qui reste dans l'espace, c'est pas, il faut le ramasser à la main. Très bien. Ok, bah c'est nickel ça. Donc voilà, ok, très bien. Donc vous avez vu que la nouvelle mise à jour est quand même relativement sympa. Ça permet de, en plus de créer des nouvelles bases. Ah, c'est super sympa ça du coup. Ah, et puis aussi il y a les lampes torches maintenant. Avec un tout petit vaisseau de la taille de mon perso. Alors, il y a les drills aussi pour les pour nous. Mais alors, le seul problème, c'est que j'ai plus de wampons parce que je les avais jetés dans l'espace. Vous allez me dire, mais il est débile. Et mais oui, je suis débile. Donc pour l'instant, je ne peux pas. Je ne peux pas, je ne peux pas. Donc vous avez la même chose pour nous, mais le problème, c'est que j'ai plus d'armes. Donc ce que je vais essayer de faire, qu'on va faire maintenant, parce que comme vous voyez là, ça je sais pas du tout ce que c'est, ça doit être de l'uranium je dirais. Donc pour faire ça, pour choper l'uranium, il n'y a rien de plus simple. On va créer un mini vaisseau qui permettra de pouvoir ramasser l'uranium. Il me faut le cockpit déjà, un petit cockpit et les petits blocs. Là, littéralement, c'est quoi ça? C'est un small là, ça, c'est un large. Pas prendre de large, ça sert à rien. On va prendre un small. Le small est là, ça on n'a pas besoin. Ça on va en avoir besoin. Ça on n'a pas besoin. Et ça on n'a pas besoin. Ça on va en avoir besoin. On a besoin de ça. Et gyroscope et de gravité. Pour la gravité, on n'a pas vraiment besoin. Et de la lumière. Et ça, on va pas en avoir besoin. Voilà. Alors, voyons voir la taille de cockpit, ce que ça fait vraiment. Toujours aussi grand leur cockpit. Toujours aussi grand, toujours aussi grand, toujours aussi grand. Je vais de reprendre ça. On va pas le faire trop grand parce qu'il faut quand même que j'arrive à ressortir de là. Vous avez vu qu'en niveau hauteur, on est quand même largement, vachement limité. Donc on va essayer de foutre le cockpit de cette façon. Et je vais pouvoir enlever les trois qui sont là. Tac, tac. De toute façon, normalement, si je calcule bien, le petit réacteur, il n'est pas plus grand que ça. Donc on va le mettre là, on va le faire tourner. Et hop, par-dessus, on va foutre le gyroscope. Et ça, c'est un réacteur. Et le gyroscope. Okay. À côté, on va foutre le neuf. Pour retrouver notre vaisseau. En pile poil la hauteur. Ouf, en plus, ça fait de la bonne lumière. Que demander de plus? Et de là, on va foutre les réacteurs de façon à ce que on puisse se propulser quand même. Ah oui, si je me gourde de touche. Tac, 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 tac. Trois petits réacteurs. On va ici. Tac, 2. Tac. Tac. J'ai l'impression que maintenant aussi ça tourne. Ah non, ça tourne pas. J'allais dire, c'est bien trop beau. Tac, tac. Ah. Ah putain, il m'en manque un. Il m'en manque un petit peu. On va en foutre 2 ici. Tac. Et tac. Il y a qu'elle en plus people sous le cockpit. Tac. Et tac. Et tac, j'ai dit. Non mieux. Voilà. Bon, on va fermer tout ça pour que ce soit un petit peu plus propre quand même. Donc
Ok. Pour que ça fasse un petit peu plus propre. On va lui rajouter deux petits réacteurs à l'arrière. C'est pas facile quand dans un petit espace comme ça. Tac. On va lui rajouter tac. Tac. C'est l'or. Ça serait bien que, par contre qu'ils mettent un système d'aimant pour ramasser les petits collectes comme ça. Elle est grande comment la drille? La drille là. Aïe 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 aïe. Elle est trop grande. Et ils ont pu... ils avaient pas plus grand non? C'est une sulfateuse la truc quoi. Et ça c'est la version petite hein, puisque là c'est sur un small. Imaginez sur un gros. Carrément le vaisseau qui s'en va quoi. Allez, un petit truc bête. Allez, un petit truc bête que j'ai oublié de faire aussi. Ah, moi j'ai rien pour en mettre par-dessus. Évidemment. C'est de la pierre, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Uranium, j'avais raison, c'était de l'uranium. Ça a l'air de ramasser. Et voilà. J'ai encore envie de faire quelque chose. Et me dire, mais il oublie un peu tout. Mais oui. Et oui, mais oui, mais oui, c'est parce que c'est en faisant qu'on apprend. Ah, attendez, qu'est-ce qui me manque? C'est tout simple. Tac. Attends, on va quand même descendre encore. Tac. Tac. Oh, ce vaisseau de construction. C'est un vaisseau. Ça, c'est du vaisseau, ça. Je me disais, putain, je peux plus descendre. Évidemment, est-ce que j'ai de la lumière? Évidemment, j'ai pas de lumière. On va faire autre chose encore. S'il me faut de la lumière. Est-ce que ça peut fonctionner cette lumière? Voilà. Allez, hein? Pas mal, non? Avouez. Un spécial destructeur d'astéroïdes de l'intérieur, quoi. Petit. Il ramasse tout. Que demander de plus? Ouais les gars, mais comment on va sortir de cet astéroïde? Par contre, c'est clair que là, une espèce de, y a pas un système là, y a pas un truc. Je sais pas, un système de médical, Arrington, hors détecteur, espèce d'aimant, il faudrait, ça serait pas mal qu'il invente ça, une espèce d'aimant, qui, parce que là, s'il faut sortir du vaisseau et ramasser tout, mais on n'a pas fini quoi. Il n'y a pas les petites graines là, les petites graines de pierre à ramasser? On n'a pas fini, regardez, il faut être vachement prêt en plus. Alors ou alors c'est vraiment minime ce qu'on perd. Ouais, vous allez me dire 46 d'uranium. 46, ici je ramasse celle-là. Ah, ça fait 10, je sais pas trop ce que ça vaut aussi, hein.
Bah, ça va pas avoir grand chose non plus, parce que quand je regarde ce qu'il y a dans l'avril maintenant. On va essayer de sortir maintenant, parce que du coup. On va agrandir le trou quand même. À moins que je passe. Ah, peut-être pas arriver par là. J'ai l'impression que je suis arrivé par le. Hey, je suis peut-être arrivé par là. Et voilà. Oh là là là. Je peux même pas rentrer par là. Je suis rentré par l'autre côté. Je suis rentré par là avec mon dôme. Pas mal! Nickel, nickel. Franchement, continuez dans cette lancée-là et faites des mises à jour aussi importantes que celle-là déjà. Rien que le fait de voir qu'on a maintenant un système pour forer. Franchement, ça donne vraiment, vraiment, vraiment. Ça encourage, je trouve, les joueurs là. J'espère que les joueurs qui voient cette vidéo ont vu quand même qu'il y a une grosse amélioration au niveau du système. On va voir, j'ai vu qu'ils nous avaient mis à disposition tout à l'heure. Alors attendez, Beacon 600 là-bas. On va essayer le gros vaisseau. Attendez, on va prendre le moyen vaisseau. Allez, je savais au mauvais moment, parce que du coup là, hop là, heureusement que c'est du pro, du pilotage. On va foutre un truc, on va remettre mon vaisseau là, parce qu'il rentre mon vaisseau. Il n'avait pas été étudié pour ce vaisseau là, donc. C'est marrant qu'il rentre là-dedans. Voilà. Ah, le cockpit il est où? Peut-être en haut le cockpit dans celui-là. Est-ce qu'il y a le cockpit dans celui-là? Je m'en suis jamais servi de ce vaisseau-là, donc je peux même pas vous dire où est le cockpit dans celui-là. Je dirais qu'il est. Bah, pourtant, il me semblerait qu'il. Ça me paraîtrait logique qu'il serait en haut. Oui, non. Ah, il est en bas. Je l'ai pas vu pourtant. Ou alors il n'y a pas de cockpit directement, pas le droit de diriger. Oui, il doit y en avoir un. Où est la salle des machines? Là c'est le réacteur, la gravité. Ah, et bien, il est là! Hello! Ça ressemble à quoi? Ok, oh là là, t'es lent, t'es lent, t'es lent, t'es lent. Qu'est-ce que ça peut être lent?
Par contre, c'est vrai que niveau esthétique, ils sont vraiment bien réalisés les vaisseaux du développeur. Qu'est-ce qui se passe? Merci papa. Alors, tac tac tac. On va essayer d'aller. Hop, on va. Du coup, on sait que maintenant il se situe au premier étage. Donc on va ressortir. Oula, je suis en quoi là? Allez, d'accord. En train de me dire, la vache, mon bum est super rapide. On a bien de faire quelque chose, c'est de lui rajouter une drill. Laisse-moi passer là. Wow! Roman! Ah ouais, mais du coup, je fais 2544 kilos quoi. Et le bonhomme il arrive à se déplacer avec 2544 kilos. Chapeau. Et du coup j'ai du mal un petit peu à bouger dans l'espace. D'accord. La drill n'est pas utilisable sur les longs vaisseaux. Sur les larges vaisseaux. Bon bah c'est pas. C'est dommage, j'aurais bien voulu voir ce que ça donne sur un vaisseau comme ça. Imagine la grosse drill. Foutez un coup dans l'astéroïde, c'est réglé. Donc voilà. Voilà pour les nouvelles mises à jour. Donc je vais vraiment faire toutes les mises à jour à chaque fois qu'il y en a une qui sort. Je vais oh, putain, vraiment pour m'arrêter du coup avec. Ouf, du coup je tombe trois fois plus rapide aussi. Donc je continue. Je vais vous faire toutes les mises à jour qui sortent au fur et à mesure. Donc toutes les mises à jour où il y a une nouvelle amélioration, pas une mise à jour sur les performances du jeu évidemment. Donc vraiment toutes les mises à jour majeures entre guillemets, comme celle-là et comme les autres que j'ai faites récemment. Sur ce, je vous laisse regarder quand même les autres vidéos pour vous rendre un peu plus compte des progrès qu'ils ont fait. En tout cas, merci de nous suivre et puis surtout, n'hésitez pas à nous faire des commentaires. À bientôt!